Je vais demander à Joe Biden de nous inviter, nous, Carpentraciens, et on ira chez lui, on ira visiter son bureau. De Washington à Carpentras, il n'y a qu'un pas. Il y a quelques jours, Joe Biden, 46e président des États-Unis, a redécoré le bureau ovale de la Maison-Blanche. Parmi les changements symboliques, cette peinture, ici à droite, il s'agit du portrait de Benjamin Franklin, peint par Joseph Siffret Duplessis, un peintre carpentracien. Duplessis, c'est un portraitiste de la cour de Louis XVI, il était peintre du roi. Il a eu, alors il est natif de Carpentras, il est formé dans la région, notamment à Villeneuve-les-Avignon. Cette décision de Biden, effectivement, de Joe Biden, d'accrocher dans le bureau ovale ce tableau, effectivement, valorise bien sûr Benjamin Franklin, mais aussi l'auteur, l'artiste qui l'a peint. Et c'est une occasion extraordinaire, effectivement, de reparler et de refaire découvrir cet artiste de premier plan, qui était de premier plan, je vous dirais, au XVIIIe siècle. Et ce célèbre portrait de Benjamin Franklin est déjà présent sur les billets de $100 aux États-Unis. À Carpentras, dans les rues, on s'amuse avec l'artiste, mais surtout on valorise ses tableaux. La ville en compte une quinzaine. L'artiste reste encore très coté. En fait, il sait retranscrire les caractéristiques psychologiques des individus qu'il peint. Quoi. Voilà. Duplessis n'a jamais oublié Carpentras ? Jamais, jamais, puisque voilà, il a continué de peindre après même installé à Paris l'aristocratie ou les ecclésiastiques allaient se faire peindre dans son atelier parisien. Et lorsque la Révolution intervient, il vient se réfugier à partir de 1792 à Carpentras. Et pour Monsieur le maire, ce clin d'œil de Joe Biden est une aubaine. Une exposition sur l'artiste se prépare. Il est prévu qu'on fasse une exposition de toutes ses œuvres dans le futur musée. Donc on voulait le mettre en avant. Et puis malheureusement, l'Américain est arrivé avant nous, et il l'a exposé et vous l'avez vu. Ça y est, maintenant tout le monde le sait. Je vais demander à Joe Biden de nous inviter, nous, Carpentraciens, et on ira chez lui, on ira visiter son bureau et voir s'il y a des œuvres autres que celles-là, des Carpentraciens. L'invitation est lancée.